26 mai. Job chapitre 4, chapitre 5. Éliphaz de Téman prit la parole et dit: si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère, le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de poids et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement : l'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Chapitre 5. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps.
Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit.